arrasando. Vengo de mi Cuba, vengo arrasando. Pues la música cubana, compa, la verdad que él es un besazo. Bonjour mesdames, messieurs, ici Bruno Larose. L'importante tempête de neige qui touche le sud du Québec et l'est de l'Ontario poursuit son chemin. Environnement Canada prévoit des accumulations de 25 à 40 cm de neige. L'Ontarien devrait recevoir de 20 à 30 cm de neige. Les précipitations causent des perturbations dans les transports, bien sûr. Plusieurs dizaines de vols en partance et à destination de l'aéroport Trudeau et une centaine de vols sont retardés. Ou annulés à l'aéroport Pearson de Toronto. La visibilité est réduite sur de nombreuses routes en raison des forts vents et de... poudrerie, comme l'explique Denis Arsenault de Transport Québec. Présentement, c'est vraiment la grande région de Montréal du côté de la couronne nord. Donc, entre autres, l'autoroute 640 qui est surtout à sa longueur, présentement, c'est des visibilités qui est nulle. Donc, enneigée, visibilité nulle, la 640. Également, l'autoroute 13. Par ailleurs, plus de 1400 foyers dans les Laurentides et l'Outaouais sont toujours privés d'électricité en raison de la tempête de vendredi dernier. Et les nouvelles chutes de neige ne devraient pas causer de nouvelles pannes. Au Pakistan, des insurgés ont enlevé 22 soldats membres d'une milice pro-gouvernementale et en ont tué au moins deux autres à l'issue de violents combats. Después de un buen chaparrón, el olor a tierra fresca. Después de un buen chaparrón y comer lechón asado con juguito de limón. Tumba, 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 vamos para el monte a recoger.